Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4. Évidemment, mesdames et messieurs, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec la France. Ah là 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 là. J'espère qu'en tout cas, vous ça va, hein, c'est le plus important. Bien, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on est parti pour continuer du coup notre let's play, évidemment. On a déjà commencé à du coup à récupérer la Norvège. La Norvège qui est l'un, en plus l'un des plus gros producteurs de gaz et de gaz surtout d'Europe. Enfin, si on ne compte pas la Russie. Parce qu'elle a des gisements pétroliers ici. En mer du Nord. Vous voyez, il y a du gaz et du pétrole. C'est plutôt bien d'ailleurs parce que maintenant on pourra. Mais maintenant on peut faire du pétrole. Eh, mais c'est trop bien! Ah, ici c'est très faible. Là c'est faible. Il n'y a pas un endroit où c'est plutôt très bonne? Faible. Faible. Bonne. Mais il n'y a pas un endroit où c'est très bonne. Bon, de toute façon, on a de quoi maintenant avoir du gaz. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, par contre, je vais voir les puits de pétrole. Du coup, on a des puits de pétrole ou pas? Eh, mais il y a du pétrole! On a du pétrole. Alors ça, c'est très important à le souligner. Est-ce qu'on a du gaz? Parce que le gaz, par exemple, ça, il faut vraiment qu'on en exploite. Alors faible. Bon, il y a un peu de gaz. En très faible quantité. Vers le nord, il y en a ou pas? Faible. En fait, il y en a partout où c'est faible. Ah non, ici c'est très faible. En fait, c'est au large, du coup, qu'on a un peu de gaz. Bon, il y a pas mal de pétrole, mais il n'y a pas de gaz. Enfin, très peu de gaz. Bon, ok. Bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au moins, au niveau du Koweït, du coup, on va pouvoir implanter, replanter du coup des gisements gaziers. Ça va être important, hein. Parce qu'on vient de casser du coup des panneaux solaires, etc. Ça, c'était ce qu'il nous fallait, bien évidemment, de casser tout ça pour pouvoir, du coup, pouvoir mettre ensuite des, plus tard, des extractions de gaz, parce qu'évidemment, on va avoir besoin de cette matière première qui est le gaz et le pétrole, sachant qu'on en vend plutôt pas mal. Bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, du coup, on a annexé la Norvège. D'abord, on va regarder un petit peu si tout a été bien mis. Donc, je regarde bien, voilà, les filières technologiques, ça, par exemple, ça n'a pas été fait. Au niveau du logement, la législation. Ah, j'ai pas fait ça, tiens. Hop, on fait ça. Au niveau du travail, évidemment, on aide la police. Tiens, il faut que je fasse un peu plus de police politique. Ça va pas être très populaire, mais tant pis. Les services secrets, ça n'a pas bougé. La santé, j'ai regardé ou pas? Oui. Il y a environnement aussi que j'ai pas fait. Ok, bah c'est parfait. Bim! On est good. Ah, il y a un truc aussi qu'on n'a pas fait, c'est très important, c'est au niveau de l'énergie. Voilà, c'est démanteler les énergies fossiles qui ne nous servent strictement à rien. Le pape est mort. Bon, je suis pas. Il rend top non sécurisé. Oui, ok, le pape est mort. L'ONU à la rescousse.
Ah ben non, Timor oriental. Par contre, je m'aperçois que on est en train d'augmenter notre production d'argent. Alors, quelle est d'abord notre croissance économique? 3,73, plutôt pas mal. Au niveau de l'argent, du coup. Parce qu'à chaque fois, on me demande de produire de l'argent. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait créer. Ben voilà, on est bon. Tout le monde veut qu'on crée ça, du coup, on en crée. Alors, le carbone nanofibre, évidemment, vous l'avez vu, on n'en produit plus assez dans le précédent épisode. Putain, 92 et je suis le plus grand consommateur de carbone nanofibre, quoi. Ouf, ça a bien lagué. Et j'en produis toujours pas assez. Bon, tant pis. Les voitures électriques, c'est quoi qu'on peut produire? Le cuivre, on en produit. Injonction polie, les Émirats, salut. Qu'est-ce que tu veux, Émirat? Tu veux du carbone nanofibre? Ouf. Sauf que t'achètes pas très cher en fait. Et moi, je le vends très cher comparé à toi. Et je te ferai pas un prix d'ami, hein, je suis désolé. Ouh. Attention, ça se rapproche là. Ah ben non, les eaux en bouteille, maintenant on en produit. Bon, maintenant on n'aura jamais de problème d'eau en bouteille, ça c'est plutôt pas mal. Le fer, ce qui est plutôt pas mal, c'est que maintenant le fer, on est totalement en surexploitation de fer par rapport à notre consommation de fer. Ce qui est plutôt bien, c'est que ça va améliorer notre chiffre d'affaires. Bon, déjà on a un premier chiffre d'affaires, mais surtout ça va améliorer notre balance commerciale. Sachant qu'on le vend à. On le vend à 58. C'est qui les plus gros acheteurs? C'est ceux qui ont une balance commerciale la plus négative. C'est les États-Unis. Ils achètent à 451. Et je le vends à 58. Oh, je vais faire un petit coucou à États-Unis, tiens. États-Unis, bonjour. Ah, c'est nouveau ça, c'est qui? C'est Amy Pickett, présidente des États-Unis. Elle est des démocrates. Puisqu'elle est de gauche. De toute façon, vous l'avez vu, hein, j'ai appuyé ici Union démocrate. Donc ce sont les démocrates. Ok. Plutôt pas mal du coup. Alors ça, normalement, je n'ai pas. Bon, il ne faut pas les utiliser. En plus, on est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on va pas trop l'utiliser, évidemment. La santé, du coup. C'est vrai que la santé, enfin, le minimum, l'âge de la retraite, je ne l'ai pas bougé. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la croissance économique. On est à 5% de croissance économique, ce qui est plutôt bien, ça va calmer un petit peu l'inflation. Enfin, 5%, ça va. Bon, ça va pas changer énormément sur le coût de l'inflation. Renégociation. Bon, on s'aime bien quand même, d'où tu me parles comme ça en plus. D'ailleurs, je sais que tu veux du fer. Tu veux du carbone nanofibre, non? Ah, mais il y a un bug. Ah ouais, il y a un bug. Volume déjà sous contrat, ouais, c'est avec moi. Ouais, j'ai fait quasi que des contrats avec eux. Fer. Hein? Ah, mais j'ai appuyé sur prix moyen à la vente. J'ai pas vu prix moyen à l'achat. Bon, ça change rien, hein. Je peux faire une plus-value. Hein. Alors, je suis désolé, mais va falloir augmenter le prix là. Hein. Voilà. Bon, salut. Mais du coup, je me suis trompé sur le fer.
Ah bah oui, c'est plus intelligent d'aller sur achat. Niram l'achète cher. Ah ouais, c'est quasi tous mes ennemis, sauf le Kazakhstan. La Chine, elle achète à 59. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien, on va pas leur en vendre. De toute façon, on en produit plus que ce qu'il nous faut, donc c'est bien. Je pourrais baisser les charges sociales employeur, mais pour le moment, c'est pas notre objectif de faire ceci, sachant qu'on a toujours une forte croissance. Ça pourrait un petit peu bloquer l'inflation. Pas du tout. Du coup, au niveau du pouvoir d'achat, ça devrait améliorer tant le fait que on se rapproche d'une inflation de départ. Tension populaire. C'est la première fois que je vois ça. Tension populaire, c'est quoi ça? Je sais pas pourquoi. Mais ça me fait peur. Par contre, on va commencer à augmenter le salaire minimum. Hop. Pour augmenter le pouvoir d'achat, du coup. On va augmenter aussi le nombre de personnes dans les hôpitaux. Et l'école, ça recrute toujours, hein, donc c'est bien. Pour une fois qu'on retrouve une inflation plutôt basse, parce que autrefois on était toujours sur des cibles d'inflation de 8-9%, là on est plutôt sur des signes plutôt bas, donc c'est plutôt bien. Évidemment, vous avez bien compris, le prochain c'est la Suède. Information confidentielle, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah oui, maintenant il n'y a plus parce que j'ai intervenu. Oui, c'est bon. Je me disais, mais what? Après, oui, c'est bon. Bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut intervenir contre l'Iran là? Parce qu'ils sont pas très bien. Ils respectent pas. Je dis ça, mais moi qui est ultra belliqueux, je suis en train de dire je suis en train de leur dire, ouais, vous êtes des pas bien, vous êtes des méchants et tout. Alors que c'est bien le contraire. Oh! Pilule de jeunesse. Ouf. Oh, le réseau numérique infrastructure, on est en... Pardon, mais ça, c'est pas normal. Hein. Va falloir baisser notre balance commerciale dans le réseau numérique. Ok, là on est bon. Le pouvoir. Je suis mieux dans le porte-monnaie. Ah bah voilà, ça fait plaisir, les gens ils sont contents. Voici donc. Le décret. Alors, est-ce que je devrais encore augmenter le salaire minimum? On peut augmenter ça par contre. On peut l'augmenter, on va le mettre à 3000. Bim. Type bonheur, hausse du bonheur en France. Et ben voilà, les gens ils sont beaucoup plus heureux. Attendez quoi? Ah ouais, je suis en dessous en plus. En fait, le gros problème, c'est le pouvoir d'achat. Hein. Notre cellule. Vas-y, je vais faire une énorme augmentation du pouvoir d'achat. On va le foutre à 8000. Comment détruire la compétitivité de ces entreprises?
Mais, on va baisser ça, cet impôt. On va baisser les cotisations Les patronales. orientations. Proposition contre l'Iran, oui, ça serait bien de voter. Comme ça, on pourra avoir notre mandat d'intervention. Parce qu'on est tellement en excédent public, enfin en excédent qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Par contre, sur l'agriculture, comme d'habitude, on va surveiller évidemment qu'on soit toujours en surplus. Alors la cocaïne, non. Le colza d'ailleurs. Colza, on est bon. Les légumes. Les légumes, on est toujours en. On a toujours des problèmes. Voilà. Légumes, comme ça, on va en importer. On ne va plus en importer. La pêche, évidemment, le poisson. Le poisson. On est bon. L'aquaculture, on va encore le développer. Je suis très. J'adore l'aquaculture. Alors, je déteste le poisson, mais j'adore l'aquaculture. Bien évidemment, le poulet, c'est toute ma vie. J'adore le poulet. Les céréales. Alors les céréales, ça par contre, on va subventionner les céréales. Tant leur importance est maximale. Betterave à sucre. Banane. Putain, les bananes, on n'en produit pas assez. Oula, oula, oula. Ça serait déjà beaucoup. Voilà, déjà. Bœuf. Canne à sucre. Le plus gros producteur de canne à sucre au monde. Ok. L'alimentation, c'est important. Le décret. Décret entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Très bien. Donc le pouvoir d'achat devrait s'améliorer. Les orientations. Ouh, l'énorme croissance. Ou oh, par contre. Ah, c'est incroyable! Deuxième puissance économique mondiale. C'est la France. Par contre, préparez-vous à l'inflation, c'est parti. L'inflation va vite augmenter. On va juste regarder ça, mais deuxième puissance mondiale, du coup, mesdames et messieurs, ça fait plaisir. Libye, que veux-tu? Alors, il y a toujours des gens qui sont en colère pour la promesse électorale. Je comprends pas trop. Fixer son vote pour. C'est qui est abstenu? Ah, mais c'était moi, ok. On est d'accord. Il faut intervenir contre l'Iran. C'est inacceptable. Même la Chine est pour alors que c'est son allié. Ça veut tout dire en fait, mesdames et messieurs. Il est temps de faire comprendre à l'Iran que jouer de cette façon-là à vendre des bombes nucléaires, ça passe pas. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Iran. Oh! Oh là là! C'est parti! Attendez, je veux juste voir du coup ce que ça donne. Yes, la guerre! Ah là là, c'est trop kiffant. Putain, la Suisse, je suis étonné. L'Inde, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Bon, déjà les États-Unis, mais l'Inde, ça pue, hein. Ça pue pour l'Iran surtout, hein. Bon, en fait, l'Iran va se faire totalement déchirer, hein. Oula, 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 non.
Non. Bon, pour le moment, c'est intéressant. Ok. Menace militaire à Oman. Ah, ça va pas plaire. Nous allons mener une attaque. Non, 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 t'en fais pas. Je peux intervenir. En plus, j'ai la puissance aérienne. Oh, ben. Oh non. Non, bug pas. Pas maintenant. Pas maintenant, pas après tout ce que j'ai fait. Oh putain, non, j'ai PS4. C'est relou. Fou. C'est bon, ça bug plus. Ces bâtiments de guerre étrangers ont violé notre espace aérien. C'est simplement insoutenable. Cette violation de notre espace aérien est inacceptable. Je vous suggère de sommer leur gouvernement et de leur donner 3 jours pour faire retraite. Pourquoi j'ai une manif? Mais... Quoi? Mais c'est en cours! Faites pas chier! Ouh là là! Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est les cotisations patronales, ça! Ça va, tranquille. Mais tranquille, il passe tranquille. Il est temps d'ouvrir les Mais yeux, qu'est-ce que j'ai notre fait? peuple. Ah, c'est les finances publiques. Stop. C'est vrai que quand même, tu passes de trait de 40, 50 à 22%, t'es en mode what? Non, non, ça va, je suis à 10%. De toute façon, j'ai juste à faire ça et c'est bon, ils vont tous être contents. Il y a le salaire minimum qui va passer, ils vont être contents. Menace militaire au Qatar. Bon, mesdames et messieurs, ah ben voilà, vous voyez. Il rend fin de l'ultimatum. Tout à fait. Mesdames et messieurs, on se retrouve la fois prochaine du coup pour le tout nouvel épisode sur GPS 84. Yes! Ah là 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 là, je l'avais dit, je l'aurai cette guerre avec Lyon, je l'aurai. Et bien vous l'aurez dans le prochain épisode, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 avec la France. Salut à tous!